Hey, 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 Cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel et peut-être dernier épisode du Let's Play de Ibrahim. Heure de gloire, l'heure d'Ibrahim, la gloire d'Ibrahim, Ibrahim le glorieux, Ibrahim le beau gosse. Nous allons tout de suite, quoi? Quoi de neuf, Ibrahim? Un de mes amis a entendu dire que tu étais un fantastique et demande à te rencontrer. Non, c'est même pas quitté, toi. Alors, on en était que Ibrahim a eu ça. Dernière étoile et il a eu sa plaque de célébrité. Mettre à jour l'inscription. Mettre à jour l'inscription. Ibrahim. Cette date de célébrité rend hommage au récit de Ibrahim. Alors, Ibrahim, on va quand même compléter. Hop, je vais mettre stack. Le plus beau gosse des Sims. Acteur, danseur. Chanteur. Bref. La totale. Oui, on va dire que c'est très bien. Et il faudra organiser une petite cérémonie pour installer la plaque là où il faut, donc sur le boulevard. Sur le boulevard. Les enfants, ça va bien, ils sont bien. C'est parfait. Et puis, ben nous, est-ce qu'on va continuer à faire notre carrière? Je pense que oui. Excellente. On ne peut pas monter plus haut. On va monter un petit peu. Et notre objectif maintenant que nous sommes une vraie star, célébrité mondiale, je le remontre quand même, hein, superstar mondiale, nous devons peut-être déménager. Ce serait pas mal d'aller dans une autre maison. Et je sais très clairement quelle maison je veux. Pas celle de Ryan, pas celle d'Octavia, la seule qu'on n'a pas encore visitée. D'ailleurs, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Mais je sais qu'on va emménager dans celle-là. Donc, il faudrait qu'on devienne amis avec, comment s'appelle-t-elle? Notre chère Penelope Cruz? Elle est où? Où est cette dinde? Elle est là. Elle est là et vous voyez, on peut pas la contacter. Mais, connaissance en showbiz. Mais on va essayer de se l'approprier pour pouvoir emménager chez elle. Au niveau des auditions, nous avons T et Trahison et Capitaine Sigma Atterrissage sur Olympe. 7 de la compétence fitness ou 7 charisme. Alors, charisme, on est à quasiment 9. Enfin, on est à 9, quoi. Et fitness, on est à 6. Allez, on va prendre fitness. Et on va bosser notre fitness. Et on fera Capitaine Sigma. Yeps. Allez, on va aller valider notre dernier point de fitness. Comme ça, ce sera les doigts dans le pif. Les doigts dans le pif. Oui, les doigts dans le pif pour l'audition. Est-ce qu'on va se faire arrêter par des fans? Là est la question. Un petit bain de foule, mon petit Ibrahim. Apparemment, tout le monde, voilà, il s'est dit, oh là là, tout le monde me reconnaît. Donc je me barre vite fait, vite fait. Ouh là là, ça fait mal aux oreilles. Ouh là là, et Taylor Swift est devenue une vieille peau dégueulasse. Youpi! Et est-ce que le combo chant lyrique de Ibrahim et violon grinçant de Taylor, ça fait sympa. On dirait presque que ça ressemble, hein, mais c'est assez inaudible quand même. Hein. Oh, Octavia, salut! Salut ma belle, faire un câlin à un fan? Bah ouais, maintenant t'as dépassé en notoriété ma belle. Eh, tu ne fais plus le poids à côté de nous. Afenaya! Oh! Tu te fais, mais tu te prends un bide, mon petit, mais t'as vu, Ryan, il est là. Oh, Ryan. Oh, Ryan. Tu es si beau, tu es si étincelant, mon beau Ryan. Ah, tu es beau, tu es doux. Bah, Ibrahim, je pense qu'il est l'heure de placer ta dalle. Une étoile est née. Oui, je suis complètement d'accord. Il va placer sa dalle devant sa horde de fans, s'ils viennent. Ah si, il y a même, comment ça s'appelle, Sonia Gotti qui se pointe. Don Notario. Les photographes. Allez, une belle cérémonie de placement de plaques. Oh, Sonia nous a fait un saut de la mort. C'est ça, ces fans? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Dis donc, pour une superstar mondiale, faut pas déconner, hein? Avec le décor derrière, c'est quand même plus sympa. Qu'un seul photographe, il y en a une là-bas, elle fait de la guitare. Nous, on s'en fout, hein? On veut mettre notre cérémonie. On veut mettre notre plaque, quoi, je veux dire.
Oh, Sonia, elle kiffe trop mon boule, regarde ça. Hey, tu ferais pas ta vie avec elle? Hein? Non? Oula, oui, elle est un peu trop excentrique quand même, hein, pour nous. Allez, on va voir ce que ça donne, cette cérémonie. Ah, ça y est, la foule s'est réunie, donc. Placer une date de célébrité, Ibrahim. Oh là 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 là! Il faut pas en rater une miette, là, quand même, hein. Mais il va gâcher! Waouh! Waouh! Attendez, moi, je sais. Hein? Waouh! Trop bien! Ah ouais, je suis époustouflette. Tu es où, Ibrahim? Ah ouais, quand même. Mais lui, il me gêne, hein? Bah, t'as de la gars, dégage, on peut pas le virer. Il est en train de gâcher tout mon truc! Punaise! Je vais aller comme ça, on va voir ce que ça donne. Waouh! Oh, ça fait très Illuminati. Mais j'aime beaucoup. Waouh! Bravo Ibrahim! Tu as réussi! Tu as ta dalle maintenant. 500 simflouzes. Voire. Tu es une véritable célébrité, mon beau. Écoutez la fan, d'accord. Bah écoute, oui, vas-y, parle. Top, c'est top. Oh tiens, t'as vieilli toi d'un seul coup, hein. Voyons. Et pour son inspiration, il faut encore qu'elle se fasse demander un selfie. Donc voilà, je sais pas comment ça fonctionne. Écoutez le fan, écoutez le fan. Il y en a qui se. Ah ben voilà. Si si, ça y est. Alors dernière étape de l'aspiration célébrité renommée mondiale. Donc on est devenu 5 étoiles. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons entendu dire que vous aviez une intelligence remarquable, Ibrahim. Vous ferez un fantastique gourou des technologies. Ah ben non, 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 non. On ne veut pas faire ça, nous. Faut signer 3 autographes et 25 réponses positives en encourageant à applaudir. D'accord. Tu vas signer des autographes, du coup, à l'appel, hein, comme ça, c'est bien. Hein, on va avancer et on terminera après l'aspiration. Puisque maintenant qu'on est arrivé au top de la gloire avec Ibrahim, ce let's play ne va pas forcément aller plus loin. Je veux dire, voilà. L'histoire est vraiment très sympa, mais je ne vais pas pouvoir continuer beaucoup avec lui. Eh, t'es belle, toi! Emma Schulz. Région romantique. Ah ouais, elle est trop belle. Même si c'est une fan, tu pourrais être. Ça pourrait être ta femme. La fan-femme. Nouvelle spécificité, courrier de fan. Afin de discuter souvent avec les fans, Ibrahim peut désormais recevoir par courrier diverses choses bizarres envoyées par toutes sortes d'individus. Mais génial! C'est super, je suis ravie de ça. Et en plus, elle est célibataire, la coquine. Ah, vas-y, premier baiser. En même temps, c'est une star maintenant. Il peut plus. Elle peut pas dire non. Hein. Regardez-moi ça! Mais c'est pas possible! Et pouf, elle l'embrasse comme ça. Bon, alors, Ibrahim, c'est parce que. Voilà, tu t'es tapé les plus grandes stars mondiales, maintenant tu t'attaques à quelqu'un de beaucoup moins connu. Eh bien, il t'avait Ryan. Ryan, il a rien vu, tant mieux, parce que ça craint sinon. Le moment de solitude absolue. Ah mais je suis déjà 8 sur 25. Effectivement, on va vite aller en besogne, hein, niveau de l'aspiration, ça va être vite terminé. Puis on n'oublie pas qu'à 19 h, on a l'audition, donc il ira faire son audition après. Ça devrait être pas mal, il devrait la réussir haut la main quand même. Hein. Allez, va faire ton audition mon beau, même si je pense que tu vas la réussir haut la main. C'est toujours ça de fait. Audition réussie, vous avez réussi à obtenir le rôle film 28 Ibrahim. La direction du studio a estimé que votre capacité à faire semblant avait du potentiel compensé à préparer le rôle. Ok. Bah, il c'est quand même le meilleur du monde, on va dire, un des meilleurs du monde. Donc oui, forcément, il sait explorer l'émotion en colère. Ça, c'est pas cool. Développer la compétence fitness, pas commencé. Lien d'amitié avec la covedette, pas commencé. Très bien. Dimanche à 9 h, donc on a tout le samedi pour faire ça. C'est bien aussi. Non, va pas te coucher tout de suite, mon petit.
Je peux peut-être t'occuper de tes enfants, leur dire un petit mot, je sais pas. Enfin là, je sais pas où ils sont, les gosses. Ah ben, elle est sous la douche et lui, ah ben, ils se lavent tous les deux. Bon, au moins c'est des gosses propres, hein. Oh, je suis trop chouquette. Tu vas exprimer ton amour à ta fille quand même, hein, histoire de. Oh, mais oui, c'est trop chou. Bon, les gosses, bah, ils ont été sages. Bon, lui, par contre, il doit même pas dormir, quoi. Bon, Ibrahim, tu vas être couché. Demain est une autre journée. Tu devras travailler tes skills. Et en plus, il faudrait vraiment qu'on croise Pénélope. Ah, de me casser les burnes, espèce de paparazzi, elle a mort moi le pif. Allez, faut explorer ta colère. Ah bah elle est partie! Ah bah, il y en a un autre! Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, menace-le aussi, celui-là. On est à 25%, je préfère m'en prendre aux paparazzi que à d'autres personnes. Voilà. Tiens, tu vas te battre avec lui aussi. Il y a une autre star qui est là? C'est qui celui-là? Bah non, il n'y a personne. Tout va bien. Ah mais l'autre, il se met devant moi pour prendre une photo, quoi. Non mais... Vas-y, bats-toi. Bats-toi. Écoutez le fan. Non! Tu vas te battre. Faut te battre. Oui, voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est parfait. Ils n'aiment pas les paparazzi. On ne les aime pas. Et puis, il est reparti avec sa confiance. D'accord. Bon. J'espère que ça montrera l'émotion en colère. Explorer l'émotion en colère, parce que... Réputation perdue! Fichtre! Bah oui, mais il faut explorer la colère, là. C'est chiant, quand même. Oh là, mon pauvre. Oh là là, Thorne est devenu vieux. Thorne est devenu vieux. Et tout le monde vieillit, j'ai l'impression, en ce moment, dans la partie. Thorne, t'es qu'un enfoiré! Si tu savais comme je te déteste! C'est toi qui vis à Octavia, avec Octavia! Vas-y, tu vas le pousser. Tu vas critiquer l'apparence du visage! Oui! Oui, parce qu'il y a de quoi dire sur lui, hein. Oh la vache, hein. Mais on a bientôt fini. Voilà, ça c'est bon. Enfin, on sera prêt pour le tournage. Ça c'est cool. Nouvelle spécificité, ne me touchez pas! Comme Ibrahim est célèbre, tout le monde se croit autorisé à envahir son espace vital. Il devient désormais tendu lorsque des Sims qui ne sont pas de sa famille ou en couple avec lui ne se permettent de le toucher. A l'inverse, constater qu'on respecte ses limites, ce qui est malheureusement rare, lui donne la confiance nécessaire pour affronter la journée. Ok? Ben, c'est chiant ça, mon gars, hein. T'as des spécificités un peu reloues, mais bon, c'est pas grave. Oula! Ne l'embrasse pas trop, on va un peu rompre avec elle là. Parce que ça suffit. Demander de garder une relation amicale. Voilà. Maintenant, on a eu des enfants, ça a été sympa. Mais voilà, on n'a plus besoin de toi. On n'a plus besoin de toi, Octavia. Je suis désolée. Voilà. Sympa. Ciao. Eh ben, on en est à notre premier orage sur la map depuis le début du let's play. Et je peux vous dire que ça fait un bout de temps. Voilà. Oui, Ibrahim va bientôt aller au tournage! Yes! Et on est parti pour le tournage. Et c'est le retour de la combo poulet! Magnifique poulet qu'il est aujourd'hui. Super, je suis ravie. Et c'est parti, on va crier des mots interdits en risqué, puisqu'on a bien travaillé tout ce qu'on devait travailler a été fait. Donc on va voir. Et je me souviens que la dernière fois, on l'avait déjà fait ce tournage. Et malheureusement, on s'était planté un truc dans la... Enfin, on n'avait pas vraiment hyper réussi, je pense. Hein. Donc voilà. Là, on recommence. Ah ben, c'est pas possible, il fait déjà de la merde. C'est pas possible, ça. Ibrahim, tu fais quoi? Bon, on va continuer. Alors, se battre en risqué. Oui. Boum, bam, bim. Une guerre de poulets. La guerre des poulets. Ok, c'est bon. Troisième scène, on va se battre à l'épée en risqué, bien sûr, toujours. Waouh. Elle est trop belle, cette épée licorne. Nickel. Cette fois-ci, c'est dans la poche. On va faire joujou avec le rayon laser. La dernière fois, il s'était fait lui-même
Zip zip B, donc là cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci c'est bon, ça se retourne pas contre lui. Ouf. Une scène de bisous. On l'avait déjà eu la dernière fois. C'était l'épisode où Judith mourait, donc c'était pas cool. Il était pas très très bien, il était triste et tout, donc il avait un peu raté son tournage. Et là, ça va beaucoup mieux quand même. Allez, boire un verre, en risquer, encore une fois, évidemment. Il est vraiment pas doué, le gars en face de lui, il est nul. Et c'est réussi, je pense qu'on a réussi la performance, et ça, c'est cool. Et tu sais ce que tu peux essayer de faire? C'est encourager à applaudir. Comment ça, on a l'argent? Ah non, c'est parce qu'il n'avait pas mangé, alors que si, je l'ai fait manger deux fois, et ça il m'a demandé de manger une dernière fois. Il a l'air con à faire ça, mais bon. Il doit réussir 25 fois, donc on va y arriver, on va essayer. Hein. On espère aussi avoir pas mal de thunasses. Eh bien, 5703 simflouz, on gagne des petites étoiles, tout ça, et c'est plutôt pas mal. Oh, Ibrahim s'est dit remporter le topissime du meilleur acteur pour sa dernière performance. Mais, alors, il y a personne qui est là, et Taylor Swift a rajeuni. Et on a reçu un nouvel topissime, je savais même pas qu'on était renominé, moi. Bravo, Ibrahim, j'ai juste été voir pour, voilà, voir ce qui s'y passait, réunion des topissimes. Oh mon beau, c'est le meilleur, t'es le meilleur, tu es le plus beau. Bravo. Dag dag, allez. Tu es the best. Parce que vous voyez, il n'y a pas grand monde qui est là. Ah si, ça y est, les invités arrivent. Et il n'y a pas Penelope Cruz, parce que c'est elle que je veux voir absolument. Ryan a gagné un topissime. Il le portera fièrement à son cou pour afficher sa gloire et aussi accessoiriser sa tenue. Ah bon? Parce que ça se porte en collier, mais on n'était pas au courant. Alors ouais, il y avait elle, qui est une grande star aussi, donc on prend une photo avec et on la mettra sur Instagram. Eh, ça augmente là, les positives à applaudir là. Ça augmente pas mal, j'ai l'impression. On est à 16 sur 25, hein, on va bientôt finir le truc. Hein. L'aspiration sera terminée. Cela conclut les cérémonies de ce soir. Oh, cool. Donc on en a eu, hein. C'est super. Et Penelope Cruz n'est pas là. Ah, elle se fait désirer, hein, cette meuf. Alors, au niveau des auditions, je vais prendre le tournoi d'honneur niveau 7 de la compétence charisme. Et on est déjà à niveau 9, donc ça va être facile. Et donc commence à mardi pour l'audition, mardi 9h. Ok, super. Oh là là, 25, on est sur 23 sur 25 pour le truc. 24 sur 25. On va avoir fini l'aspiration avant même qu'on demande quoi que ce soit. Là, il va poser un peu pour les photos. Il faut se redorer un peu son image parce qu'il a quand même perdu. Voilà. Bon, il a toujours une bonne réputation, mais il a quand même perdu quoi entre temps. Donc, tant qu'à faire, on va poser quoi. Il aime ça. Regardez-moi ce beau gosse là. Allez, on va encourager à applaudir une dernière fois pour finir. Ah ben voilà. Aspiration terminée pour la célébrité, je sais pas quoi là. Trait de caractère gagné, célébrité inébranlable. Et ça, c'est bon. Ils sont des immortalisés comme tels qu'ils ne verront jamais leur notoriété décliner. Ils sont si à l'aise sous les feux des projecteurs qu'ils ne réagissent jamais mal à la présence pénible des paparazzis. Ils reçoivent également un point de notoriété supplémentaire. Et ben, ça, c'est bien. Aspiration terminée pour petit Ibrahim. Et ben, c'est bien, on a bien bossé. Bon, on va rentrer parce qu'il commence à être fatigué, le pauvre. Du coup, concernant l'aspiration d'Ibrahim, j'ai pris la compétence, l'aspiration grand acteur. Donc, il a déjà fait acteur en herbe. On est à acteur intermédiaire, ce qui est faux. Mais bon, on va devoir tourner une pub pour jouer de l'or et jouer dans la rue. Ce qu'on a déjà fait, mais il faudra refaire en acteur avancé. Ça, c'est bon. La récompense, je ne sais pas si on a compté d'avance. Il faudra encore en avoir une. Et refaire gagner de l'or dans une série télévisée. Puis, grand acteur. Il me dit ça c'est bon, et ça, eh ben, il faudra le refaire. Voilà, pour la nouvelle aspiration d'Ibrahim. Testons en direct la notoriété d'Ibrahim en organisant une partie, une fan partie, là, je sais déjà plus, une rencontre avec les fans. Pour l'instant, il est là au milieu, personne ne vient. Ah bah oui, voilà, il pousse sa chansonnette, normal. Oh là, ça y est.
Il va poser pour les photos, ça va devenir folle dingo. Regardez-moi ça. Regardez-moi la pose qu'il a. Oh, ce cul. Ses fesses, d'enfer. Brahim. Ça a l'air de fonctionner pas mal quand même. Hein. Bon, il discute pas trop, mais il a posé, il fait les photos. Il a fait des selfies, des autographes. C'est plutôt pas mal. Bon, il y a juste lui là qui vole un peu la vedette de temps en temps. Allez, on est parti pour l'audition, Ibrahim. Il a un peu tendax là, j'ai pas eu le temps de lui faire jouer au téléphone, donc on croise les doigts. Audition réussie. Bien joué, Ibrahim. Commentaire encourageant 28. Et voilà. Donc, c'était quoi déjà? Je me souviens même plus qu'on avait le tournoi d'honneur mercredi à midi. C'est dans 24 heures. On s'entraînait à jouer des scènes dramatiques, compétences jeu d'acteur et compétences charisme. Tout ça, c'est fastoche. Ouh, c'est la fête de l'hiver. Donc, les gosses vont pas aller à l'école. Et puis, il va falloir décorer la maison et tout le tralala. Oui, mais Ibrahim va bosser. Ça va pas le faire. Il doit aller taffer aujourd'hui. Tant pis, on ira quand même au boulot. Bon, allez. On va quand même prendre le temps de décorer le sapin avec ses petits-enfants. Avant d'aller taffer. Il n'y a que de la place dans la chambre d'Ibrahim. Donc, on va le mettre là, le sapin. Et voilà notre sapin de Noël. Ah, Del Sol Valley, ouais! C'est mignon, ça va, ça passe. Et on est reparti pour une journée de tournage. Ouh, j'aimais bien ton costume de lama doré, sur ton poitrail, mon beau. Allez, une scène dans ce magnifique châtal, avec le dragon, ouais, le dragon. Il doit créer des mots interdits. Après, il est tendax parce que on l'a touché, donc c'est un peu chiant. Ah, j'avais pas vu que c'était des trucs lama. Tu vas faire combattre à l'épée en risqué. Oh, attends. Ouais, c'est chiant ça. Tu vas prendre un verre en risqué plutôt avant. C'est chiant, j'ai pas envie qu'il se prend l'épée dans le pied. Les pieds, hein, les pieds. MDR, allez. C'est pas très grand, c'est pas grand chose cette scène, tu peux y aller arriver facilement. Ah, la tête qui fait. C'est Star. Yipsums! À votre bon cœur, votre santé! Ouh, ça fait du bien! Allez, la troisième scène de combat à l'épée. J'aime trop! Ouais, je lag un peu parce que je prends des petites photos. Et il s'est pas pris l'épée dans les pieds. Wouh ! Bravo, Ibrahim, tu es le meilleur. J'ai changé la neige en scintillement, je trouve ça mignon. Et il doit embrasser un risqué. Toujours des hommes qui l'embrassent, lui. Hein. Toujours des hommes. Il est toujours aussi mauvais, son partenaire. Alors déjà qu'il avait l'émotion ne me touchez pas, j'espère que ça va pas aggraver sa situation. Oh oh oh. Mais c'est beau les petits sentiments, de la neige, j'adore. Allez, raconte ton histoire avec l'autre derrière, t'as raison. On va faire ça comme ça. Alors, au temps pays anciens, là où la neige tombait en scintillant. Ah, et on a le niveau or, et on n'a pas fini, on doit faire la scène où il meurt. Allez, tu vas mourir en risqué. Niveau 10 niveau 10 de la compétence jeu d'acteur. Voilà, il fallait que je me concentre un peu. Allez, mon beau Ibrahim, tu vas y arriver. Oh, attention, je... Oh, mon Dieu. Et voilà. Et voilà, ni queue ni tête, ce truc. En plus, on l'a déjà fait la dernière fois, mais... Voilà, il a gagné l'or, on est content, on est content. Tu sais ce que tu vas faire, encourager à applaudir, le truc bien débile. Allez, vas-y, encourager à applaudir. Pop, pop, pop. Wow, biche, allez, biche. On saute sur place, c'est ridicule.
Comment on nous regarde? Eh oui, on a l'air de rien. Niveau or, 6450 simflouz. C'est énorme et on a gagné 3 petites étoiles. Mais bon, ça, vu qu'on est déjà au top niveau, on ne peut plus augmenter plus que ça, quoi. Niveau casting, vu qu'on va, là, je vais plus me baser sur la sur l'aspiration de la carrière d'acteur. Donc, on va prendre une publicité. C'est vrai que j'ai jamais fait attention à ce que c'était. Mais ça, en fait, on sait où que c'est une publicité. On sait pas trop. Mais je pense que là, par exemple, ça, en avant la musique, c'est ça, c'est une pub. Donc on va prendre en avant la musique, compétence 2 de guitare, ça va, c'est facile, commence jeudi à 19h l'audition. Et puis bon, on est bien, n'est-ce pas Ibrahim? Allez, je pense que tes gamins... Mais les gosses, ils savent pas se gérer tout seuls, c'est une catastrophe. J'ai jamais eu des gamins qui savaient pas, ils savent pas les pisser. Voilà, Ibrahim, tu vas nous faire un grand repas pour la fête de l'hiver maintenant que tu es rentré. Ah bah! Ah bah y'a... Ah bah dites donc! Il est là! Hugo Fontaine, le père hiver! Je l'avais prévu, dis donc, il a popé comme ça, on a demandé. C'est bien, petit chou, il va pouvoir... Tu vas pouvoir faire ta présentation et lui demander un cadale. Hein, Stéphane? Tac, tac! Voilà, tu vas demander un cadeau. Oh, un petit cadeau, trop mignon! Alors, tu as reçu quoi? Yep, yep, yep. D'accord, t'as l'air content. Un blarf. Oh, c'est un gros nounours, trop bien. Trop bien, tiens, tu vas jouer avec émotion. Et Ibrahim, dès que t'as fini de manger, de faire à manger, tu pourras demander aussi au père hiver un cadal. Va savoir ce qu'il va t'apporter. Une poupée gonflable, grandeur nature peut-être. Allez, Jenna, c'est ton tour. Oh, 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 noyeux Joël. Tu vas demander un cadal au père hiver. Demander un cadeau. Voilà, on va voir ce qu'il va te donner, si tu étais sage ou pas comme enfant. Et Ibrahim aussi va se demander un cadal. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'elle... Pourquoi elle pleure, elle? Elle est ouf, cette fille. Ah, elle a un cadeau bleu aussi, comme son frère. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une modèle réduite de camionnette braquage à la banane. What? Non, bah je sais pas ce que c'est. Ça donne pas envie en tout cas. Alors, le père hiver est un fan. On prend une photo avec lui. Ah bah, tant qu'à faire, hein. Franchement. Tu vas pas lui embrasser les mains. Tu vas pas le draguer, le père hiver. On va te laisser tranquille. Tu peux pas demander un cadal? Comment ça se fait? Tu vas faire un câlin. Fais un câlin au père hiver. Moi aussi, je veux te tuer un câlin. Un cadeau. Offrir un cadeau? Fête de l'hiver. Tiens, tu vas avoir des écouteurs. Ils nous ont sauvé la vie au tout début qu'on était pauvres et pas connus. On va voir si le père hiver, il va kiffer le cadeau. C'est bizarre, pourquoi il peut pas avoir de cadeau Je ne sais pas. En tout cas, ça a fonctionné, il est content. Si, ça y est, demander un cadeau. Ouais, ça y est, il fallait qu'il discute un petit peu avec, et puis voilà. Ah, père hiver, est-ce que j'ai été sage? J'ai embrassé beaucoup d'hommes dans ma vie, mais des fois c'était juste pour le métier. Enfin, ça a toujours été pour le métier. Ouais, il a pas été très enthousiaste quand même pour lui dire « Ouais, ouais, t'auras bien un cadeau, ouais, ouais, tout qu'à faire. » Alors, un cadeau bleu, encore une fois. Et alors, tu as eu quoi? Une vie au microscope? Sympa, sympa. Bon, on va ouvrir les cadeaux avec les enfants maintenant à l'étage, hein. Faut pas y oublier. Hein. Oh non! Il a foutu le feu! Il y a quelqu'un qui a saboté! Ah, mon Dieu! Oh mon Dieu! Le Noël... Le Noël pourri! Non! Mon sapin, roi des forêts! Vite, éteins, Ibrahim!
Oh là là! Oh bah bravo! Super l'ambiance, hein, franchement! D'habitude, tu mets feu au plumard, mais là, t'as foutu le feu au sapin. C'est pas terrible, hein. Allez, tu vas... Il est où, le plat? T'avais préparé un plat. Qu'est-ce que t'as foutu du plat, mon coco? Mais je sais pas. Là, il manque un plat, non? Ah non, il est là, le plat! Allez, tu vas annoncer le grand repas. Non! Oh, mais pourquoi t'es déjà au lit? Oh, c'est pas possible. Non, pas prendre une portion. Je vais y arriver. Chanter ensemble. Mais y a pas? Mais pourquoi y a pas? Ça m'agace. Viens ici. Et si, annoncer le grand repas, voilà. Ah, complication ce jeu. Hein. Allez les enfants, venez. C'est l'heure de la bouffe, de la graille. Tous ensemble. Bon, il n'y aura pas de cadeaux cette année. Hein. Comme qui dirait, on n'a pas eu de bol, le sapin a cramé. C'est dommage. Et voilà, c'était une réussite pour quasiment tout le monde, cette fête du Père Nono. Alors, malgré l'incendie, on s'en est bien tiré. Après, vous pourrez tous vous pieuter, les gosses, et moins gosses. Et on sera pas mal. Et on essaiera la semaine prochaine, parce que du coup, je vais essayer de finir l'aspiration. Pas celle-là, celle de Ibrahim. Son aspiration, ça devrait être facile. Et puis voilà, on va essayer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et déchoper la fameuse maison sur les hauteurs, là-bas. On ne pourra pas l'acheter, mais on pourra essayer de combiner en essayant d'aller vivre avec Penelope Cruz. Bon, avec Ryan, ce serait possible, mais j'ai envie de voir la dernière maison, comme je vous l'ai dit. Allez, moi c'est là-dessus sur un petit repas familial tout mignon comme il faut. Bien sûr, elle s'en va à ce moment-là, elle. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du Let's Play de Ibrahim le Glorieux. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut.